Bonjour et bienvenue. Plus de War Tales. On continue. La dernière fois, on avait fini complètement Grinmir. Donc ça, c'est cool. Ah, quand on finit la zone, elle est toute cartographiée. J'avais pas vu ça. J'ai l'impression. Parce que je suis sûr qu'on avait encore des zones sombres et tout ça. Genre là, on peut pas y aller, par exemple. Ça tue ? Vertruse aussi, c'est fini. Le compte du négociant. What? Attends, c'est quoi ça, le compte du négociant? Ah, on doit parler à quelqu'un à Strandcap? Je me rappelais pas. Je me rappelais pas. Trouver le point du rendez-vous grâce à l'objet rendez-vous des inquisiteurs. Ah oui, on a ça aussi, rendez-vous des inquisiteurs. On a encore des petites quêtes, mais je sais pas où c'est en fait. Contrat de vente, lettre anonyme. Point de rendez-vous de l'inquisition. On a quoi ? Trésor de la mercenaire. Endroit où Joren doit rejoindre son oncle. Endroit où important. Alors ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Le trésor des brigands, on l'a fait. Trésor de la mercenaire, je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas l'équipement qu'on avait récupéré ? Genre dans les hauteurs là. Je suis pas trop sûr. Après le rendez-vous de l'Inquisition. Des Inquisiteurs. C'est au bord de l'eau avec une route. Au bord de l'eau avec une route. Il y a une montagne à côté. Les montagnes, elles sont là. Ah, merde. Il y a une plaine. Il y a une plante. On voit une route. La mer. Il n'y a pas vraiment d'eau. Attends. Mystère et sagesse. Ah, mais attends, c'est là, oui. Route au bord de l'eau avec une montagne. Peut-être là. Genre là. Peut-être. Ah, mais on est méga loin. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, faut se décider sur ce qu'on fait. Désolé, mais j'avais pas vraiment réfléchi sur ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire en fait. On a des gemmes ici, mais je crois qu'encore une fois, les gemmes, c'est à Corsia. Donc on s'en fout. De toute façon, il faut partir d'ici, il n'y a plus rien à faire. Recherche les négociants, Stormcap. Bon, on peut faire... on peut retourner à Stormcap. Ouais. On va d'abord vérifier ça. Non, en fait, de toute façon, on va devoir aller à... Ouais. Go Stormcap. On fera le compte du négociant et tout ça. Ça marche. De toute façon, on se balade vite, c'est pas vraiment un problème. Alors, hop. C'est pas vraiment un problème de courir. Par où on passe? Là, en arrière. Ah tiens! Ils peuvent me vendre des remèdes, s'il vous plaît. Remèdes contre la peste.
Très bien, merci. Tenez, on a des trucs. Voilà. Merci beaucoup. Attends, là. Par là. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des charrettes briller. Donc toi, tu me donnes ça. Ça aussi. Ah, du blé. Main de la justice. Non, ce niveau 6, là. On veut toujours rechercher aussi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'arrêter des hors-la-loi et tout ça. Donc bon, normal. Mais bon, c'est pas trop grave. On a 1400. 6 jours de nourriture. L'écurie. Des gardes. La forteresse de la fraternité. Ah, la forteresse! On a fini la quête. Est-ce qu'ils veulent pas nous remercier? Je sais pas, nous donner des récompenses? Alors, vous êtes maintenant les mercenaires les plus célèbres de tout le royaume de Gozenberg. La fraternité a du souci à se faire avec de telles concurrences. Ce fut un plaisir de travailler à vos côtés. J'espère que la prime remise par le conseil de négoce vous convient. Ah d'accord, vous me donnez rien en fait. Putain de foi. J'aimerais bien, mais... J'aimerais bien améliorer mes armes, mais voilà quoi. C'est pas comme si on roulait sur l'or pour moi. De faire un tout petit peu attention. Alors, hop, par là. Merde. On avait dit ça. Ça Stromcap. Ok. Royaume de Gozenberg. Je voudrais un peu finir quand même les autres zones avant de finir la toute dernière. Histoire qu'on soit tranquille. Histoire d'être tranquille. Wow! Je crois qu'il y a un petit problème là. Partir. Je crois qu'il y a un petit problème. J'aurais accusé. C'est bon. Je crois pas que. Non, je crois que c'est bon, on a fini avec l'accusation. Mon dieu. On est même pas dans la bonne contrée quoi. Alors, les. Gibraciers. Marché. Ah oui, du sel, c'est vrai. Il y a beaucoup d'argent qui part là, par contre. Attends, on avait un truc à blanchir, non? Ah non. Non, par contre, on a 4 joyaux. Oui. Faudrait qu'on débloque plus de musique aussi pour faire dans le bar. D'abord, l'apothicaire, j'ai quelques petits trucs à faire. Alors, j'ai givracier déjà niveau 5. Enfin, pas niveau 5, mais 5 à faire. On a les huiles, sens de vierge.
Les remèdes, 5. On n'utilise même quasiment plus les iris des neiges. Enfin, de toute façon, les iris des neiges, je crois qu'elles peuvent servir à autre chose. Je suis même pas sûr, en fait. Est-ce qu'on fait des remèdes imparfaits? J'ai envie de dire, à la limite, on s'en fout un peu des remèdes imparfaits. C'est pas comme si on avait besoin de faire de l'expérience, en fait. Alors, les bombes, c'est bon. Les cocktails, ça va. Aveuglante, on s'en fout. Poudre de rage, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Poudre de rente, par contre... Ça peut être utile. Là. Yay, merci. Merci, merci. Après, c'est des bandes à tuer. Chanter. Trop fort. Qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, j'en ai eu un de... Ok. J'ai eu un givracier en plus, je crois, non? Comment j'en ai crafté un? Enfin, pas un givracier soi-même, mais le 130. Le métal pour en faire. On a plein de petites dents, ça c'est bien. 400... Combien? 490. C'est très bien. Les couteaux empoisonnés, c'est bien. Ah tiens, l'arc. One art. Bientôt il sera niveau 8, One Art. Qu'est-ce qu'on fait? On vend le... l'arc niveau 7? Et on va vendre l'arc niveau 7. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre? Ça va, on n'est pas trop lourd. On a quand même des cadavres, presque une centaine de rats. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est... Donc on avait dit peut-être ici là pour la le compte du négociant. Attends, par où on passe? On est à droite. Ah merde. Putain, faut déjà les payer quoi. Oh là là. Vous pouvez pas être bénévole. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Désolé, je fais n'importe quoi. Ok, nickel. Qui c'est qui est alcoolique? What? What the fuck? Attends, c'est un bug ou quoi? «
À ma connaissance, il n'y a personne qui est alcoolique, qui a besoin. Putain, c'est un cheval qui est devenu alcoolique ou quoi? Putain, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est War? Social, bourré, humanisme, bourré. What the fuck? Courageux. Force et Dex augmentée de 5% s'il commence un combat en infériorité numérique. Ah, c'est marrant ça. Je comprends pas du tout. Il y a personne. On a un sanglier alcoolique. On a un sanglier alcoolique. C'est pas celui-là où on a utilisé le remède des cheveux là. Oh putain, ce jeu quoi. Aïe 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 aïe. On va faire de ce jeu quoi. Poulet braisé. Dix poulets. Ça fait beaucoup quand même. Nickel. Incroyable. Incroyable. On a un sanglier alcoolique. C'est bon, personne veut se plaindre, on est bon, on part. Aïe aïe aïe. Oh! Putain, non, c'est bon. Mais merde. Oh putain, et merde deux fois. Non, on est bon. Ah tiens, la plante, là. Il y a quoi, là? Plante des esclaves. Ah! Non, c'est juste des esclaves en fuite. Non, c'est juste des esclaves en fuite, en fait. Bon, on va rentrer à Stormcap. Et... comme j'ai dit, essayer de résoudre la mission là qu'on a. Puis après, ouais, faut pas grand chose à faire, quoi. Non, ouais, voilà, comme j'ai dit, on va peut-être pas retourner dans la dernière zone maintenant. Je vais essayer de finir les anciennes, genre à 100%. Enfin, les histoires, on les a finies, mais les lieux, genre finir les lieux. Bon, on peut pas faire les rats maintenant, parce qu'il y a War qui a encore la phobie des rats, là. Mais ouais, on essaye de finir les choses. Après, il y a des missions que je comprends pas. Faudrait que je regarde. Si jamais je recommence le jeu. Attends. Si
Si jamais je recommence le jeu. Genre le tout début, on va être méga lent. Ok, l'invasion de rats ici, ça c'est bien. Territoire indépendant, il traîne. Ok. Retour ici. Bon, attends, on va à Stormcap d'abord. Je voulais faire un détour pour faire la mission, mais... J'ai raté. Voilà. De l'ambre. On peut prendre les moutons. Sel, ça va. Encore une fois, faire gaffe, beaucoup d'argent qui part dans la nourriture. Mais après, ça va aller mieux. Une fois qu'on va commencer à revenir sur des sangliers qui sont gras, là, on en tue un, on a genre 2-3 nuits de viande. Après, on continue, etc., etc., etc. Parce que là, on en avait plus. C'est pour ça qu'on commence légèrement, doucement, en fait, à manquer de nourriture, en fait. Plus on les mange, plus on les nourrit, plus ils deviennent gras. Apparemment. Pas 100% certain, mais j'ai l'impression. Donc voilà quoi. On va pouvoir bien se nourrir après. Sans avoir à acheter. Pas mal. Oh, apprenti. Augmente la récompense à chaque chanson. Cool. Voir Taurus. Ah, va-t'en, toi. Volonté et constitution de... Ah, c'est sympa, ça. C'est sympa. Alors, est-ce que t'as des grosses missions? De la poterie. Corsia. De la poterie à Corsia. Ouais, enfin, je voudrais bien la voler, en fait. Alors, on fait l'émission à Stromcap vite fait pour nous faire un peu d'argent parce que, genre là, il y a une échéance qui arrive, on a rien de rien. Voilà. De toute façon, on tue une personne, il n'y a plus personne, c'est bon, tout le monde fuit quoi. Ah oui, alors attends, on avait dit, il y avait un truc à faire ici. Que c'est toi? Les habitants de Titraine n'ont pas recueilli réfugié à... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Attends, la taverne, il y a quelque chose à parler, genre le... L'informateur. On pense un peu pour des marchands, essayer de vous montrer ce meilleur joueur. Ça, c'est des gens à recruter. Ça aussi. Ha! Qu'est-ce qu'il faut faire? Le compte du négociant, c'est quoi ça? C'est pas le mec qui voulait qu'on relie toutes les ventes là? Du coup, c'est ça la suite? Je crois que c'est celle-là la suite en fait.
Oui, je crois que c'est ça. C'est le mec qui voulait qu'on relie toutes les villes et que tout le monde vende de son matériel ou je sais pas quoi là. Donc du coup, il faudrait vraiment des gemmes. Ouais, c'est embêtant. Par contre, on a ça, rendez-vous des inquisiteurs. Donc, rendez-vous des inquisiteurs. Ok. Donc une route avec de la mer et une montagne. Une route avec la. Moi, je vois ça. Mais après, enfin, c'est de quel côté? C'est de côté. C'est à Arthès ou Ithil-Traine? Ça, le problème. Ouais, ça peut être là. Enfin, il n'y a pas de montagne ici. Je sais pas. On peut voir, on peut aller. De toute façon, on a une quête à faire. Alors, on va voir. On visite un peu. Niveau 1. Je crois que ça va. Je crois que ça va. Faut un peu attention. Marche. Ah, les cadavres, putain, faut que j'y pense. Non, ça a pas l'air d'être là. Tiens, on a les gens là-bas. Ah, les cadavres, faut vraiment que j'y pense aussi. Bon, les cadavres. Ça le fait pas automatiquement. Alors, 5 moutons, ça c'est bien. Du pain, on va le garder de côté. Enfin, je dis ça, mais est-ce qu'on garde le pain de côté ou pas? Ouais. Continue comme ça. Est-ce que neige est passé 8 ou pas? Neige, il est 8. On peut mettre quelqu'un d'autre à s'entraîner. Inquisitrice. Ija, on va mettre Ija à s'entraîner. Attends. Hop là. Ouais, on va mettre Ija. Un peu. Très bien. Bon, du coup, il n'y a strictement rien, c'est cool. Donc, c'est pas là, sûrement pas là. J'ai envie d'aller regarder sur Steam pour éviter de faire le tour de la map comme un débile. Après lui parler de quoi pour les
les peintures. Vous enviez aux peintures de guerre, hein, vous n'êtes pas les premiers. Dommage pour vous, les mercenaires, je ne peux en faire qu'aux initiés. Or, la seule façon d'être initié, c'est de se rendre à Ludern, on y était, et de demander à la druidesse dans la clairière des Teules. La clairière des Teules, je sais pas du tout où c'est, la clairière des Teules. Peut-être, peut-être des endroits là-bas. Ouais, parce que du coup, ouais, on pourrait avoir des peintures de guerre. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des buffs, genre. On va prendre ça. Attends, qu'est-ce qu'on a appris? J'ai pas fait attention. Renfort du sage? Non. Mouvement plus 1, 6, c'est ça. Et après. Ça. Croix acérée. Contre les cibles qui saignent, augmente de 10%. Critique. Ça aussi c'est intéressant, mais au final bof, je sais pas, genre ouais, hacker parce qu'il y a ça. Enfin, oui, mais bon, dégâts critiques plus 15%, quoi. Il y a rien qui bat ça en fait. Oups. Il y a non, c'est pas possible, ce n'est point possible. On va aller tuer les... Ah, j'ai vu les gardes. On va aller faire les autres missions, histoire de récupérer de l'argent. Non, mon dieu, accusé. Putain, maintenant, on a ce glitch, là. Je crois que le jeu essaye de nous dire quelque chose. Je suis pas sûr. Merde. Sérieux. Putain. C'est pas grave, on va le faire. Ce n'est point grave. Après, je vais regarder où est le rendez-vous. 8. 8, t'es où? T'es où, 8? T'es là. Non, ça fait de la nourriture, par contre. Après, si jamais on se fait attaquer par la garde, si le prix est exorbitant, le truc c'est qu'on peut les combattre, mais oui, mais bon, enfin, on va tourner en rond, ça va encore augmenter notre recherche, etc., etc., etc. Donc c'est un peu la merde. Faudrait vraiment faire que des prisonniers et les balancer au cachot. En fait. Nickel. Niège est devenu Finlame. Oh, ça c'est cool ça. C'est vraiment cool. Vraiment sympa. La peau
poterie à Corsia. Ça coûte cher la poterie. Donc après, on peut l'acheter, mais bon, ça me fait chier quoi. Je préférerais ouais, la voler, comme ça on a. C'est bénef quoi. Poterie, 75 lin. Oh putain. Ah ouais, non. J'ai pas... Enfin, on peut le faire, mais j'ai envie de faire tout bénef moi. On va faire ces deux trucs. Ces deux missions. On va faire les missions pour se faire un peu d'argent parce qu'il nous en faut. Et après, on va voir. Alors, broche écart pour guille. Ah, peut-être récupérer du givre acier aussi tant qu'on y est. Parce que les haches, c'est bien. J'aime vraiment le jeu. Je me lasse pas en fait du jeu. J'arrive pas à me lasser du jeu. Je sais pas pourquoi. Pourtant, au bout d'un moment, on devrait. Enfin voilà quoi. C'est un peu toujours la même chose. Mais. Y a rien qui est chiant en fait. Même genre à haut niveau. À haut niveau, on peut se dire. Ouais, il y a des trucs redondants ou alors chiants à faire, genre. Je sais pas, genre. faut toujours avoir de la nourriture et tout sur soi. Oui, mais. C'est bien fait. En fait. C'est bien fait parce qu'on fait des plats qui sont super recherchés, enfin, qui donnent des buffs. Et qui donnent beaucoup de nourriture. Donc, du coup, ça va vite. On peut. Toutes les ingrédients qu'on achète. En théorie, les ingrédients, ça, le top, ça serait de les récupérer dans la nature. Et après, les préparer. Comme ça, c'est tout bénef. Mais bon, pour aller plus vite, parce que sinon, c'est chiant. On les achète. Mais même ça, c'est bien parce que les ingrédients, on peut tous les transformer en des gros plats à chaque fois. C'est pareil. Et nous, on a mis le mode zoné. Alors honnêtement, je sais pas ce que c'est libre, au final. Enfin, comment ça se traduit, le mode libre. Mais nous, zonés, du coup, t'as des loups genre niveau 1. Par exemple, on a des loups niveau 1. Donc pour les tuer, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Donc du coup, ça fait de la nourriture. Genre rien que ça, c'est facile, quoi. Même à haut niveau, c'est pas chiant. Le coup des sangliers aussi, qui deviennent gras et tout, c'est vachement bien fait. Donc du coup, c'est pas emmerdant. Et le combat en lui-même aussi, bah, plus on est haut niveau, plus on a du moral. Du coup, plus on va vite. Attends. Plus on va vite à tuer, le moral monte. On tue deux mecs, c'est bon quoi, les gens ils veulent fuir. Ah oh, putain, les corps, les cadavres. Ah oh, les cadavres. Faut que je m'y habitue. Faut que je m'y habitue. Cadavres. Donc voilà, du coup tout est bien fait. Tout est bien dosé, je trouve. Y'a rien d'embêtant. Ah oui, fais voir ça alors. Attends, si je me mets genre là. Oh la vache! Et du coup, il a fragilité. Non, même pas. Qu'est-ce que c'est quoi, cette merde? Ouais, je crois que c'est buggé. Hein.
Ah, attends, ainsi désengagé. Ah, genre, t'engages les gens et ça les désengage, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois que ça les désengage, en fait. C'est intéressant. Ah, donc c'est pas comme ça que je le voyais, merde. Enfin, ça... Non, mais putain, je vois pas l'utilité. Du coup, ouais, on vole l'aggro. Enfin, on désengage un... On force le désengagement. Ouais, ça peut sauver, quoi. Bah, c'est pour ça que c'est bien que ça soit un tank, le mec. Donc, ça, on peut sauver quelqu'un, en fait. À la limite, j'ai envie de dire. Ah, on a 15 carcasses. On va aller faire après... Un remède, on va faire un remède pour les rats, là. Normalement, les sangliers devraient devenir gras. Ils le sont ou pas? Non. Il y en a un qui est bien alcoolique, par contre. Ça, il l'est, t'inquiète. Hein. N'importe quoi, ce jeu. Oh, je lutte. Voilà. Je lutte un peu là, vivement qu'ils deviennent gras les trucs, parce que c'est relou. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, tu sais chanter, t'es content? J'ai enfin acquis quelques compétences en tant que barde. Hein, si jamais je finis en quitter. Ok, cool. Se vanter, ex en tant que barde. Ouais, de l'expérience en tant que barde, vas-y. Ça serait là-bas. Putain, il y avait juste un truc de garde là, quoi. Vache. Ah, la tour abandonnée. Est-ce que marché noir ou pas? Je sais plus. Je sais plus où il est le marché noir ici. Pas du tout. Pas du tout. C'est abandonné. Ah, c'est peut-être là. La tour, celle-là. De regarder en même temps, de faire une recherche, genre, le rendez-vous des inquisiteurs là. Non, 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 on va massacrer tout le monde.
sans deck. J'aurais pas dû me mettre là. Ça bloque le passage pour les autres. Ça va. On a juste lui à tuer. Ce serait bien qu'il y ait des cinématiques, genre pour tuer plusieurs ennemis en une fois. Ça serait intéressant. Faut que je regarde la carte. Nickel. Ouais, un peu le poids. Le poids, il commence à être un peu beaucoup même. Donc, faut faire gaffe. Voilà, on a 600. Ça payera la prochaine séance et un peu plus. Donc, nickel. On fait voir la carte. Alors, c'est là. C'est là. Bon bah ça va, on peut partir. Du coup, est-ce qu'on doit rester ici ou pas, nous? Non, hein. On peut partir hein, direct. On peut direct aller à Corsia. Ah oui, et Corsia, je ferai une pause pour essayer de comprendre là, les quelques missions qu'on a, parce que là je sais pas ce qu'il faut faire. Après il y a les rats à faire aussi, putain. Bon, par contre là on va être peut-être un tout petit peu trop lourd hein, au moment. Avec toutes les carcasses de rats et tout qu'on se prend là. Alors. Ok. On est sur le chemin. Embêtant de partir. On peut se faire la mine, ça fera de l'argent. Et le mouvement aussi, je trouve, du jeu. Il est rapide et tout ça. Enfin après, quand on joue comme nous, oui, avec des animaux, oui. Quand vous avez beaucoup de chevaux et d'autres animaux et tout ça, ça va vite. Ça vite, vous déplacez vraiment beaucoup plus vite. Parce qu'avant, il fallait faire des pauses ultra souvent. Parce que enchaîner 3 missions, c'était impossible hein, au début du jeu. Vous en faisiez une, vous deviez revenir à la ville de départ, quoi, presque. Parce que vous puisiez dans toutes vos ressources. Bon, après, ça demandait pas autant de ressources parce qu'on n'était pas aussi nombreux. Mais. Mais même avec beaucoup de gens, en fait, ça se passe très bien. On peut pêcher vite fait. Je voudrais bien qu'elle devienne champion, là, on pêche. Compagnon. C'est quoi le nom, compagnon? Tiens, on est descendu en dessous des 100. C'est bien. Alors, du coup, on continue. J'ai vraiment envie d'augmenter les armes. Hein, les armes spéciales, mais... L'argent, c'est un petit problème.
va s'arrêter là. Alors, on a des trucs à vendre. Je vais garder ces cadavres ici. Parce que peut-être qu'on va les jeter, parce que là, on va commencer à être vraiment très très lourd. Les manger à la limite, j'ai envie de dire. Ouais. Hop. Nickel. Elle est gras. Merde. Pourquoi ils veulent pas être gras? Putain de truc de merde. Sans deck. Je me demande si on va avoir des... Alors, attends. Ça. Ça, ça. Vibrationnons là-dedans, ça. On va avoir des petits événements dans le camp par rapport aux humains qu'on mange. Genre quelqu'un va nous dire « Ah, on est devenus des cannibales et tout !»« Ah, pétain un câble, on est devenus des cannibales !» Je vois pas pourquoi on se mangerait pas les uns les autres aussi. Genre des réflexions comme ça, ce serait marrant. Il y a aussi ça, le sang infecté. J'ai envie de m'en séparer un peu, parce qu'on en a un peu beaucoup. Ouais, une fois du givracien, on a presque plus. Ça part vite, cette merde, au final. Très bien. Apparemment, le jeu était en train de me dire quelque chose. Bon, on va faire un tour dans la montagne. Sans déconner. Haut de vie 13. Bon. Putain, on venait monter, il y avait des sangliers qui nous attendaient, quoi. Bon, ça fait de la nourriture. Il nous faut une DPS ici. Après ça va, ils sont pas méga costauds non plus. Ah mais quelqu'un peut se mettre là. Merci. C'est parti. On va tout simplement tous les massacrer. Hein. Ah, il va mourir. Voilà. Non, je fais de la nourriture. Ah merde, putain, c'est pas elle que je jouais.
Taurus. Pam pam pam. Ouais, je peux pas en toucher deux là. Ouais, c'est pas si mal. Ça nous fera pas mal de nourriture. Et avec de la chance, machin, ils deviendront gras. Vas-y, la chasseuse. Voilà. Parfait. Voir le poids, ça va. C'est, on est à, presque à 1100, on est à 1095, je crois, le poids max. Mine de fer. On est déjà allé là? Oui. On va pouvoir crafter des choses par contre. Maintenant que... Oui, mais d'accord, on n'a rien à faire. Maintenant que j'y pense. Parce que à chaque fois, on manquait un peu de métal et tout ça. Après, il y a peut-être du charbon. Ça, on en manque toujours, mais on peut en acheter. Ah, parfait. Les rats, on va pas le faire parce qu'on n'a pas la quête. Ça aussi, j'en reviens pas, le coup des pitons et tout. Tout est vachement bien fait, quoi. Oh merde, fous-toi. Bienvenue à Corsia. Place du marché. Ouais, là, des fois, il y a des rats. Des fois, il y a des rats. Ah, il nous faut... Corsia, il nous faut du miel. Il nous faut 13 miel, exactement. Ok, 10, c'est bien. Les gemmes, c'est 100 l'une. Si je les vole... 100 à 165. Oh là, putain. Ouais, ça fait un peu chier. Bon, on va le faire, hein. On va le faire, parce que sans la gemme, c'est on va gagner grave de l'argent en fait. Ça je veux bien. Qu'est-ce que je fais? Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Sa armure, non. Par contre, toi, Niège, t'es devenu... Ouais, mais c'est déjà une ronde à spectra. Ok, j'étais pas trop sûr. Les armes, pas besoin. On a ça. Sac à dos. Non plus. Il y a juste des renforts, en fait, à faire, j'ai envie de dire. Couteau de lancer. Non. Les armures, non. Il n'y a rien à faire, en fait. Par contre, ouais, là, ça, c'est pas vraiment très intéressant. À part les renforts, qui sont bien. Les armes de lancer. Fabriquer l'un de ces aimants pour élever un set supérieur dans le compodium. Ah, ok. Bon, on n'en a pas fait de ça? Ah non, c'est les deuxièmes. Mais on n'en a pas toutes fait. Ouais, voilà, ouais. Ok, c'est ça, ça veut dire, en fait. Ok, bon, bah, go, ça, alors. La clé mort? Attends, de toute façon, il n'y a personne qui a besoin d'armes, en fait. Comme j'ai dit, c'est que des armes. La plupart, c'est des armes. Spéciales. Je peux voir la hache à deux batailles à deux mains, c'est quoi? Mutilation. Critique applique saignement. Et c'est une AOE. Ouais, c'est pas intéressant. La masse à deux mains, personne n'en a besoin. La clé mort à deux mains. Personne n'a besoin non plus. Ça non plus. Ouais, on va faire 130. C'est tout 135. Oui, c'est tout 135. Vas-y, go, ça. Ah! Pas grave. Donc là, maintenant on a ça. C'est des armes quoi, niveau 8, j'imagine. Parce qu'on a 2, 5. J'imagine que c'est 8 maintenant. Il y a Klaska. Klaska, on avait dit qu'on voulait la tester, genre sans bouclier. J'ai envie de peut-être d'apprendre. Ça s'écrit. Peut-être la faucille. Comme ça, elle a quand même garde 10%. Mais comme ça, elle a une attaque spéciale avec. J'ai envie d'apprendre ça, moi. Et la tester, en fait. Qu'est-ce que je fais? Non, tout ça. Ça me semble pas mal. Enfin, ça me semble une idée. On va voir si c'est une bonne idée après. Ça, c'est autre chose. Genre 2. De toute façon, on n'a plus de givracier, je crois. Je crois que c'est ça qui nous manque. Si on n'avait pas eu besoin. Peut-être 230 quand même, hein, là, le truc. Pas mal. Ouais, ça serait Klaska qui utilise. Putain, c'est niveau 8, merde. Évidemment. Évidemment, c'est niveau 8. Plus ça c'est pas pareil parce que ça c'est l'os de lancer de faucille en givracier, donc un impact 30% de chance de générer un malus aléatoire à la cible. Là c'est la faucille pétrifiante. Ça applique confusion pendant un tour. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Ouais, on l'a sorti d'un temple, je crois, et c'est tout. J'aime bien imaginer que les gens avec nous, genre ils cherchent dans les chevaux et tout, on a plein de bordel, genre plein de... On a tout ce qu'on veut quoi, tout ce qu'on a besoin là. Bon bah niveau 8 on testera. Comme ça elle perd pas toute la garde, elle aura quand même 10 de garde en plus. Enfin elle en perdra 8 quoi, perdra un peu d'armure évidemment. Mais ça devrait être sympathique. Elle aurait une attaque de loin avec un effet aléatoire. Ouais, je pense que ça peut être intéressant pour elle.
couteau de lancer. Non, c'est du givracier qu'il nous faut maintenant. C'est complètement du givracier. Ça marche. On va regarder les missions qu'on a là. Mais attends, apothicaire. Apothicaire, qu'est-ce qu'on a à faire? Des remèdes peut-être à la limite. Qu'on a 20. Non, on a 19. 20. Nickel. Il nous faut des cordes absolument par contre. Il faut absolument des cordes. Givracier. Par contre, sur son épée, si jamais elle a une arme en plus, genre qu'elle balance en fait, est-ce que on lui mettrait pas autre chose comme l'huile au lieu que ça soit juste booster la force? Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Genre un poison. Elle est quoi elle, Klaska? Elle est immunisée au feu. Elle est immunisée au feu. Sur Klaska aussi, on peut lui mettre peut-être la défense. Huile de protection. Portation. Non. Renforcement. Peut-être la défense, parce que si elle joue sans bouclier à la limite. Lui fait poison. Il y a Ija là. Qui est renforcé aussi, ça c'est bien. Mais bon, lui aussi, il a de l'équipement de merde aussi, donc c'est un peu la merde. Mais Klaska, vu qu'on l'a mis en DPS et qu'on va lui enlever le bouclier, elle sera moins résistante. Et puis elle a pas de protection en fait. Quand on y pense, elle a zéro protection. Elle fait de la riposte et tout ça. Ah oui, elle fait de la riposte et tout ça, donc elle va se prendre plus de baf si on force la riposte. Ouais, on va faire renforcement sur elle. On va faire le renforcement. Ouais. Voilà. Voilà. Elle verra ça pour le futur. Il nous faut encore un tout petit peu de miel et on est bon. Peut-être qu'il y en a à la taverne. Pour faire la potion. Alors, donne-nous ça. Yeah, merci. Alors, Mareim, fourrure. Oh là là. Épices, et après tuer des gens. Tuer des gens, ça me va. Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Donne-moi du miel. Ah! Saloperie. Donne-moi des cordes. Ah bah tiens, on va chanter. Je ferais bien des cordes aussi. On a les missions qu'on vient de prendre à faire. De toute façon, c'est pas vraiment des gros trucs, hein, ça va être vite fait. Mais on a le rendez-vous des inquisiteurs à faire. Ouh, chef-d'œuvre. 70 et 30. C'est bien ça. Chef-d'œuvre Babiole 14. C'est toujours des niveaux 5. Yes. Juste, j'attends, on regarde, on sait jamais. Bah du coup, go mission déjà. Ah,
D'abord, go. Go rendez-vous, voir un peu ce que c'est. Je vais voir, on va voir là. Quand on passe à côté des lieux, on regarde si jamais on n'a pas loupé des choses. Ça a débloqué des choses, j'en sais rien. Se revenir sur les lieux dans les RPG, c'est important aussi. Il y avait elle qu'on avait aidé avec les plantes. Ah, arrête de te plaindre, on a donné plein de plantes. Ah, il y avait un sac aussi. On peut faire de la pêche. Je crois que le prochain épisode, on ira sur la dernière zone. Et on fera l'exploration de la dernière zone. On a la ville avec les zombies, là. Ça c'est battu, cette zone. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment cool. Et on a un boss aussi. On a un élite à tuer. On sait pas où il est encore, mais on sait qu'apparemment ça serait la femme d'un mec qui a été mordu et enfin qui est devenu fou, je sais pas quoi. Enfin folle. Mais on sait pas. Oh, putain, t'es sans déconner. Attends, on va se mettre là, au cas où si jamais il nous coince, on va dans l'abbaye. Ils dévident la route et tout quand ils sont à la recherche. C'est une horreur, les machins. Encore heureux qu'on n'est pas allé sur de l'autre côté. Hein. Et merde. Ça va. Le camp est bon. Ah ah ! Non ! Non plus. Putain, encore eux que j'ai regardé. Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas, il nous faut le miel. Il nous en faut 3 pour faire un remède. Je sais pas si on peut en trouver d'autres. Plus, ça serait bien. Les trucs qui grossissent jamais, quoi. Putain. Bon sang, quel festin. J'en ai rêvé cette nuit tellement le repas était bon. Si c'est la vie de mercenaire, à quoi bon être seigneur? Alors. Exprimer sa bonne humeur en chantonnant sur le chemin. Complimenter. Ouais, complimente le sanglier. Ouais. Ça c'est une très bonne idée. Complimente le sanglier. Ça, les mecs, vous chassez les infestés, les pestiférés. On en a 20. Hein. Juste on vérifie au cas où. On n'a pas besoin de les attaquer. Donc. Ah putain! On fait peur, c'est con en plus.
Sifon, on y est déjà allé et tout, il n'y a rien à faire. Peut-être pas au bon endroit en fait. Ah, la tâche. Inspecter. Il y a de nombreuses traces de pas et de lisières de la forêt. Les gens sont rencontrés ici. Ne fais pas bugger mon jeu. Merci. Ah. Ah, j'ai envie de dire, ça fait de la nourriture. Ouais, t'as bien fait de coller Taurus, toi, tiens. Après, si jamais je recommence le jeu, comme j'avais dit, quand il sortira, est-ce que je change le début, maintenant que je sais vraiment bien comment jouer au jeu? Je sais pas trop. Est-ce qu'on refait des... des paysans. Je trouvais ça drôle, moi, les paysans. Pas mal. Et après, il y a les malus et tout ça. Ça aussi. Maintenant, je sais ce qui est vraiment important. Même les critiques diminuées, à la limite... ça dépend des classes, c'est même pas trop grave. Maintenant que j'y pense, c'est pas mal. C'est bien de savoir tout ça, en fait. Mais bon, je préfère avoir du critique. Mais ouais, c'est pour dire quoi. Quand on connaît le jeu, c'est vraiment cool. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Moi, c'est bien parce que voilà, j'ai voulu faire des paysans qui voulaient changer de vie, qui voulaient devenir mercenaires. C'était la galère au début parce que c'est des paysans. Hein. Mais au final, c'est bien passé. Maintenant, ils sont devenus super renommés et tout. Si on peut avoir pas mal de carcasses, je crois qu'il nous manque surtout, c'est le miel en fait. Aetward Finlam, yes, ça c'est cool ça. Critique et tout ça. Des critiques et dégâts critiques, ça c'est bien ça. C'est parfait, ça. Des marques dans la boue prennent direction de l'Est, ça pourrait être une caravane ou un chariot de l'Inquisition. Ça marche, let's go. C'est quoi, ferme à rose... c'est quoi la ferme du roseau? J'espère que vous êtes fiers de vous, mes pauvres voisins. Ah oui, avec les zombies là. Pestiférés là, il les gardait. Même si c'était devenu des vrais zombies en fait. C'est quoi ça?
Bonjour. Vous voilà enfin. Ça va faire 6 mois qu'on vous attend. Quoi, vous ne pensiez pas être attendu? Vous imaginiez peut-être que nous avions bêtement oublié notre carte dans ce coffre? Je suis presque étonné de voir que cette grossière diversion ait fonctionné. Mais manifestement, les érudits vous pensent plus futés que vous ne l'êtes en vérité. C'est donc sans regret que je vais mettre fin à votre association. Vos cadavres devraient persuader les universitaires de ne plus se mêler de nos affaires. Ouais, non mais gros, tu... Non mais tu sais pas à qui t'as affaire. Ouais. Ouais. Bah tu diras... T'essaieras ça dans la prochaine vie, quoi. J'ai envie de te dire au bout d'un moment... Tu sais quoi, je vais être sympa, je vais même pas rebouger mes gens en fait. Je vais les laisser comme ils sont. Ça, je peux le faire avec tout le monde. Sympa. On a le chef, je l'ai vu, il est là. Ils disent 1, quand même, tu te prends 3 de dégâts. Toi, t'as pas pris feu, apparemment. Sympathique. Saignement, poison. C'est pas mal. Ah, viens, on va leur tirer dessus. Ça, c'est cool. Ah! Ça va être carton. Ah oui, il y a un ambassadeur purgateur. Un mec qui nous empêche d'avoir la galvanisation. Les petites animations sont très bien faites aussi, je trouve. Pour un petit jeu comme ça, tout est très très bien fait. Le seul truc qui est vraiment très embêtant, c'est l'optimisation du jeu. C'est vraiment le truc le pire du jeu. Et pourtant, bah du coup, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup de problèmes, en fait, au final. Que toi, tu peux aller au milieu. Tu peux aller au milieu. Okay.
Et du coup, on va bloquer tout ce petit monde. Ouais, c'est vraiment... C'est 100% l'optimisation du jeu. Tu mets l'optimisation, genre sans les freezes. Tout le monde a les freezes. Hein. C'est pas que moi, c'est tout le monde. T'enlèves les freezes. Tu fais en sorte que... je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, les freezes? Le... Ouais, enfin la fluidité du jeu. Putain, je peux pas passer en fait. Oh non. Oh non. Quelle merde. Attends, si je tue lui. Pourquoi je peux pas passer? Ah, mais faut faire tout un détour en fait pour lui. Bah voilà, là. T'enlèves les frises et tout ça, il y a... Ah non, t'es sérieux? Ah, putain, ah oui, d'accord, il a la torche. Bah lol. Tiens, ça, je pensais pas que ça allait marcher. Le fait qu'il touche les deux et elle réagit quand même, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Oups. Voilà, ces frises-là, c'est relou. Mais si t'enlèves ça, honnêtement, le jeu, il est top, hein. Là. Et les autres. Ah voilà, merci. Alors, on a tué le mec, c'est bon, on a gagné galvanisation maintenant. La stratégie est très bonne. Le gameplay est très bon. Il y a zéro reproche au jeu. Hein. Nous on jouait avec la difficulté la plus élevée, on a galéré peut-être un peu au début. En plus je découvrais le jeu. Mais honnêtement, il y a des jeux beaucoup plus punitifs et sévères hein, sur leur gameplay. Et quand on joue avec la difficulté la plus élevée, qu'on découvre en même temps, en fait. Comme j'ai dit, tous les événements, en fait, on peut les voir arriver. On a toujours un moyen de les échapper, en fait. Vous n'allez pas vraiment vous faire massacrer direct, quoi. Ah, ça peut être utile. Fais voir, attends, les corps, c'est peut-être un peu trop là, non? On verra. Ça peut être intéressant pour nos bonhommes. C'est quoi? C'est du médium. Hein, du médium. Non. Ah bon? Non plus. Bah merde alors. Bah, je pensais que ça allait être au moins être intéressant, mais en fait non. Will, niveau 9. Alors Will, ouais, un peu plus de critique à la limite. Putain, dégâts critiques 80. Pourquoi t'as autant de dégâts critiques? Sérieux, quoi. Un peu plus de critique ou de force? T'as envie de faire la force. Ouais, mais moi j'ai envie que tu montes les critiques, ok? Que t'aies au moins une 20 de base sans ton armure, en fait. Que t'arrives à 20 sans avoir des rajouts. On n'apparaît rien ici, il faut informer votre commanditaire ce qui s'est passé. Ça marche. Château du seigneur Vernalis. Poticaire. Des remèdes, non. Après, peut-être du rebalancement. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rebalancer le jeu? Enfin, est-ce qu'il y a des trucs vraiment pétés? La garde? Ah oui, ils ont tous été tués. Là.
Mon fils, non. La garde qui est complète, qui est super OP. Et encore, honnêtement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même dans, si on prend des jeux genre la XCOM et tout ça, les ennemis, en fait, ils ont des habilités. C'est ça qui les rend puissants. Plus ils augmentent, plus ils ont de la vie et de la défense et tout ça, évidemment. Mais faut retourner là-bas. Putain, j'ai pas envie de retourner là-bas maintenant, moi. Souvenir enfoui. Ah, on n'a pas la clé. On trouve la clé. On trouve une clé, en fait. Allez. La garde, mais si... Enfin, au final, comme j'ai dit, la garde... Une fois qu'on a notre équipe et tout ça, et qu'on a compris un peu le système avec, genre, bloquer le chemin et tout, en fait, nos persos deviennent beaucoup plus puissants. Ils ont plein, plein d'habilités. Même si leur équipement n'est pas aussi puissant que la garde, même si la garde a plus de vie et de défense. Je crois qu'il y avait de la menthe, mais... on gagne, en fait. On gagne au bout d'un moment. C'est obligé de gagner, en fait. Ah. Donc ouais, non, même ça, c'est pas grave. Même nous on n'a pas vraiment eu de mal. Fallait juste parce que oui, ils étaient nombreux, quoi. Enfin, c'est la garde aussi. Si si on avait zéro problème pour contre la garde, en fait, on ferait que voler et on les massacrerait tout le temps. Et puis voilà, quoi. C'est genre il y a plus de jeu, en fait, à la limite, j'ai envie de dire. Vous savez quoi, on va peut-être s'arrêter là. Et je vais regarder l'émission. Quoi faire dans l'émission là, qui nous reste. Parce que ça m'embête un peu. On est à 1026 sur 1097. On regarde les 10. Ceux-là, on va peut-être les virer. Non, je trouve que le jeu est bien balancé. C'est un RPG, ça prend du temps. Ce qui est normal. En plus, c'est un RPG stratégique et tout, donc... ça prend du temps à avancer, c'est normal. Ragoût de porc à la limite. Parce que de toute façon, on va en avoir plein du ragoût de porc. Yes! Ils sont tous gras. Parfait. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais regarder les missions, en fait, qu'il y a à faire ici. Donc, on a fait ça. On peut aller rendre celle-là, le compte des universitaires. Ça, c'est bien. Mais avant de partir, je voudrais finir ici. Donc, ça voudrait dire les rats, cheval noir, loge vide, souvenir enfoui. Souvenir enfoui, il faut une clé. Donc, il y a quelques... Ici, quelque part, il y a une clé à récupérer. Donc, ça, c'est embêtant. Ah, c'est peut-être là, le marché noir. On a encore un peu de nourriture, d'argent, ça va, 2005. On a 5 jours de nourriture, c'est pas beaucoup, ça commence à baisser. Parce que j'ai pas envie de taper genre moitié, genre 50% d'alcool dans tous les repas. Donc on va commencer à tuer les sangliers petit à petit, là. Peut-être la prochaine... Non, peut-être encore un repas, l'histoire qui devienne gros, là. Mais ouais, on a mis des bêtes. L'avare, le mur, l'habile. On a très peu qui ont des noms, hein, au final. Ouais, on a très peu. Le cheval, il y en a un aussi, balafré. Poney, le balafré. C'est fou quand même. J'adore ce jeu. Ah!
J'avais complètement zappé. De ouais, toute façon, j'ai qu'un fer à cheval. Putain, on pourrait en acheter d'autres, des fers à cheval. Putain, maintenant, on a... La vache, on a beaucoup de trucs. C'est où la vitesse? 48%. Ouais, on pourrait acheter les autres fers à cheval qui manquent. C'est que ça pèse combien, un fer à cheval? 0,5. Ça va, on peut se trimballer avec 0,5, hein. Genre on en prend encore quelques-uns, comme... parce que comme ça, du coup, quand on fait des sangliers, ben on met des fers à cheval dessus. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais regarder les missions spéciales, enfin les missions qui restent dans cette zone, et on finit cette zone. Comme ça, il nous restera plus vraiment, il nous restera vraiment une seule zone, et c'est celle-là. Voilà, parce que tout le reste, on l'a fait. Ah oui, et aussi on va peut-être voler les gemmes. Faut que je marque tout ça. Les gemmes pour Marheim. On arrive vers la fin, honnêtement. Les gemmes pour Marheim, les missions d'Arthès. Missions d'Arthès. Ouais, c'est tout ce qu'il nous faut. Et les rats. Et le nid de rats. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.